Yo tout le monde, c'est Apollon. Aujourd'hui, on se retrouve pour la boutique du 26 mai 2023. Avant que ceci commence, n'hésitez pas à me soutenir en mettant le code créateur KTT dans la boutique Fortnite. Merci à tous ceux qui le feront et n'hésitez pas à liker celle-ci. Du coup, on a toujours ce qui est en rapport avec Miles Morales. À la une, on a Ashi qui est là avec son sac à dos et Epi, lui sans sac à dos avec avec ses pioches et le planeur. Séparément, c'est 1200 V-Bucks, 1500 V-Bucks, 800 V-Bucks et 500 V-Bucks. Ensuite, on a Contrecoeur pour 1200 V-Bucks, avec Funèbre pour 1500 V-Bucks, avec son sac à dos, ses pioches et son camouflage. Séparément, c'est 1200 V-Bucks, 500 V-Bucks et 300 V-Bucks. Ensuite, on a le pack Néon avec les deux skins, leur pioche et le planeur. Séparément, c'est 800 V-Bucks, 800 V-Bucks, 800 V-Bucks et 500 V-Bucks. On a le pack Sushi avec les deux skins, leur sac à dos respectif, la pioche et forcément leur planeur. C'est un peu les packs de base et qu'on a limite, j'ai envie de vous dire, dans chaque pack. Dans chaque pack, t'as forcément un ou deux skins, une pioche et le planeur. On a toujours Cœur d'Amano qui est là depuis quelques jours. Du coup, dans la partie quotidienne, on a Scorpion pour 800 V-Bucks. On a Insondable pour 1200 V-Bucks. Angulaire pour 500 V-Bucks. Néon Boussure pour 500 V-Bucks. Danse Slave pour 800 V-Bucks. Et Style Manchot pour 200 V-Bucks. On a toujours le garde niveau, pas de nouveau pack et le club de Fortnite. Du coup, n'hésitez pas à noter cette boutique sur 10. Pour ma part, ça va être un petit 7 sur 10. C'est Apollon. À plus tout le monde.